Bugarache, un paisible village de 200 âmes niché au pied d'une montagne, mais depuis peu, un lieu mondialement connu qui attire de drôles de visiteurs. On vient de remonter ce village, voilà, où on a toujours eu l'occasion de rencontrer des illuminés, parce que ça, il faut être illuminé pour croire à ça, quoi, voilà. Des illuminés venus du monde entier, les habitants de Bugarache redoutent d'en voir affluer lors de la présumée fin du monde. J'ai voulu, au travers des médias, mettre la pression sur les autorités préfectorales pour qu'ils prennent ce phénomène en compte et que je ne me retrouve pas, moi, tout seul, le 21, avec une problématique que je ne pourrais pas résoudre. Résultat, le 19 décembre, deux jours avant la date fatidique, le pic sera classé zone interdite, ses grottes souterraines seront surveillées et l'entrée au village contrôlée par une centaine de policiers. La montagne de Bugarache fait environ 1000 mètres d'altitude. Nous sommes en hiver, elle peut être dangereuse. Donc nous interdirons l'accès à la montagne. Mais au-delà, nous aurons un périmètre de sécurité qui nous permettra de contrôler les arrivées. Et si les visiteurs de l'Apocalypse sont trop nombreux, l'accès au village sera lui aussi bloqué. Il faudra alors trouver un autre refuge pour la fin du monde.